Et ouais, bonsoir à tous et à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode sur PlayGames, et bienvenue pour la suite de la série. Aujourd'hui, on se retrouve pour, non pas le scénario Faux Infos, mais le scénario Cendre Volcanique. Après avoir combattu des blocus et des gens absolument parano, aujourd'hui, on va se battre avec très peu d'avions, mais ce n'a pas l'air d'être si dramatique, je vais être honnête. Alors, avec quoi on va jouer? Faut être honnête, je voulais jouer de base avec la grippe simiesque ou l'épidémie des ténèbres, mais étant donné que le gameplay se base notamment sur le fait qu'il y ait moins d'avions, ce serait vachement con de faire ça. Je préfère être honnête. Est-ce qu'on se prendrait pas la bio-arme? Je sais, j'aime pas le nanovirus. La bio-arme, c'est fun. Je sais plus la jouer par contre, donc va falloir faire gaffe. Saut métabolique, ouais. Tac, 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 terracite. Ouais, extrémophile, ouais, blablabla, tac, 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 tac. Ok, on va partir normal. Le poison, voilà, effectivement, c'est le poison. On va partir donc de quel pays? Quel pays nous n'avons pas fait, mais pourrait être hautement intéressant. On pourrait partir de l'Argentine, on n'a jamais fait l'Argentine. Je sais pas si on a fait le Brésil, en tout cas, autrement, on peut faire des îles, on peut... On va partir d'Indonésie, tiens, allons-y, ça me va. Allons-y. Arme biologique, je ne sais plus comment elle fonctionne. Réduit la létalité, réduit la probabilité de débloquer des gènes létaux, oui c'est ça. C'est ça que je veux. Surtout ça. Voilà, et il y a le troisième. Voilà comment claquer 7 points dans des conneries. Mais tout va bien. Oh, ils sont pas sérieux. Nouveau système de filtrage pour les avions. Bah, tu me diras avec des cendres dans les cieux à cause d'éruptions. Ça se comprend, mais en même temps... Dire ça fait chier. Bon, bah, on va faire R1 d'abord. De toute façon, on est dans un pays... Non, un pays humide en plus. Donc non, ça, c'est vraiment juste pour en faire chier. C'est pas grave. Au moins, on pourra réinfecter le peu d'avions qui seront utilisés. Ouais, on est quand même sur... on est sur au-delà des 1% des avions... Transports qui sont des avions. Beaucoup trop de bateaux, mais ce n'est pas grave. Hop là, paix humide. Voilà. Merde, je commence à tuer. Ah fuck. On va attendre un peu. On fait quelques morts, ce n'est pas dramatique dans l'absolu. On chope les pays voisins, c'est bien. J'aimerais bien attendre que la barre augmente un petit coup. Normalement, c'est pas le cas, mais en même temps, j'ai envie de dire tant mieux. Bizarre, il y a 23 000 morts. Bon, on va reset. On va reset ça. Et est-ce que ça me rembourse des points? C'est pas plus mal. Je sais pas qu'est-ce qu'on va utiliser, je suis en train de réfléchir. Résistance au médoc, ça peut être pas plus. Ça peut pas être mal, somme toute. Voilà. On a quelques. On a eu quelques morts. On a encore quelques morts. Activer les gènes modifiés, on va prendre ça un petit coup. Voilà. On va aller là-dessus. On a déjà un demi... on a déjà 200 millions d'infectés. Nouvelle maladie bénigne se propage. Ah fuck, j'ai été repéré. Bon. En l'absolu, c'est pas dramatique. Parce qu'on est moins létal que l'on était juste tout à l'heure. Je suis en train de réfléchir. J'ai bien pris le bon truc quand même. Mais c'est ça, hein, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Bon, cela ouais, c'est très particulier. Très particulier, ça va être très compliqué. Pour le moment, je m'inquiète pas. 25 points. Après, je vais mettre une résistance au froid, on va le mettre en prévision. On commence à déjà toucher quelques pays froids. Depuis l'Indonésie. Lancement d'un remède. Ah fuck. Ah ça, ça m'arrange pas non plus. Voilà, le Canada, c'est pas plus mal.
Il y a quelques morts quand même, hein. C'est... Ouais, pas que ça se précipite un peu trop quand même. Heureusement, bon, l'infection pour le moment, elle est majoritairement faible. Après, je peux tenter de remettre un petit reset à zéro, là. Qui a l'air de marcher mes couilles, d'ailleurs. Non, c'est vraiment fabuleux. On va réduire un peu le potentiel de l'arme. On réduit le potentiel de l'arme. On ne s'inquiète pas. C'est le temps d'infecter le maximum de monde. Ok, il nous reste... 20% des pays qui ne sont pas infectés. À 2 milliards 500 millions, ce qui est très bien, pour ainsi dire. L'Allemagne qui vient d'être touchée. Oh, est-ce que j'ai réellement envie de me taper des symptômes? Non. On va se gagner les points des symptômes. Être compliqué, hein. Être compliqué, on va pas se mentir. On a une bonne partie des pays qui sont touchés, hein, mais... on a 50% de la population infectée. On a vraiment, ouais, genre vraiment le nord. Le nord du Schnorr, là, qui est un peu rebelle. Pays humide, notamment. Pays froid, surtout. Réduire la létalité, ce serait pas très utile. Voilà, ça commence à bien toucher. Le poison sur la liste de surveillance. Je sais pas dans quel pays, je sais même pas dans quel monde, une arme biologique est juste mise sur la liste de surveillance. Vraiment, je trouve ça absolument ridicule. Dans le principe même. Hein. Il reste très peu de pays. Il reste deux, il reste la Finlande et les Baltiques. Finlande, c'est fait. Les Baltiques. C'est fait, très bien. Alors, plutôt que d'assassiner tout le monde en veux-tu en voilà, on va mettre ça déjà. On va mettre ça. Il me faut combien de points? Il faut 23 points. On va pas toucher plus que ça. On va laisser infecter. De l'anémie, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. On essaie de laisser les pays se développer le plus possible. La Russie, c'est le cas. La Finlande, ça prend un peu de temps, mais ça avance. La peur ralentit l'économie, oui, bon, évidemment, c'est logique. En même temps, quand t'as une arme qui est potentiellement capable de tuer 90% de la population mondiale en un claquement de doigts, c'est logique, ils commencent à flipper leur race. Voilà, tac, tac, tac. Ça va être létal. Chez. C'est sûr que soigner au cyanure, c'est vraiment pas la meilleure idée du siècle. Hein. Voilà, on est en train de recommencer à tuer. Je suis en train de laisser un petit peu la Finlande s'infecter avant de faire quoi que ce soit. Voilà, nous sommes à 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. On va être totalement infecté. On aura infecté à peu près tout le monde. Reste l'Islande aussi, je veux juste checker. L'Islande, c'est pareil, c'est bon, c'est check. Ok. Let's go. Ça va être parti. Voilà, plus de personnes saines dans le monde. Pff, allez-y, toussez un petit coup, ça vous fera du bien. C'est horrible. Hop là, voilà. Tac, tac, tac. On a réduit de 20%, le monde est en train de dégringoler en 4 secondes, voilà. On veut-tu en voilà. On était à 70% de la recherche du remède. On est retombé à 43%. Et tout le monde est mort en l'espace de 5 jours. Voilà. Bah, le poison a éradiqué tout le monde. Les fous, c'est bon. Oh là là là. Et bien voilà. Et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon bah voilà. Rien d'exceptionnel. Juste moins d'avions. Ouais, c'était vraiment pas fou comme scénario. J'espère que les prochains seront un peu plus pertinents quand même. Hein, parce que vraiment... C'est pas fifou des fois. Sur ce, loufa à tous. De gros bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, zouf.